Eh bien, salut à tous, on se retrouve sur Harder Farmer, la toute nouvelle série solo en mode difficile. C'est pour ça que ça s'appelle Harder Farmer, parce que je veux commencer directement en mode difficile. J'aurai des modes, mais sans triche en fait, tout simplement, ça va être sans triche. Donc, voyez un petit peu la map, hein. Juste imprononçable la map. Vous allez lire par vous-même, je n'arrive pas à lire la map, voici. La 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 la. Mais elle est juste géniale, franchement, elle est géniale. Et ça va être très difficile de jouer dessus. Enfin, c'est. Oh là 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 là. J'imagine même pas ce qu'il y a. Donc, on va regarder un petit peu le matos qu'il y a. Ouais, ça se vend. Ouais. On va garder la moissonneuse, on va garder un petit peu tout. Le tracteur, j'ai limite envie de le vendre. Je regarde si on peut faire un emprunt. Si on peut emprunter, voilà. On a emprunté de l'argent, on a que 53 000. Super. Un prêt de 200 000, et ouais. J'adore. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre toute petite ferme? Donc, juste pour vous montrer, il y a un petit peu de tout sur cette ferme. Vous avez du blé, de l'orge, du colza, le maïs, pomme de terre, côte pot de bois, la lime, la luzerne, le sunflower, le tournesol, du sorgho, du trèfle, il me semble, et du compost aussi. Donc elle est vraiment très complète, c'est une très jolie map. Une très 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 jolie map. Toum, toum, toum. Vous voyez par vous-même, hein. C'est magnifique. Elle est ni trop grande ni trop petite, elle est parfaite pour jouer en solo ou en multi. Hop, donc on va commencer. Je vais revendre le tracteur, je vous jure, je vais vendre le tracteur. Hurliman, ah la casquette comme on dit. Tac, je vais regarder un petit peu en mode si j'ai des bons modes pas trop cher. J'ai bien dit pas trop cher. Ça c'est l'enceileuse, moissebat, y a rien quoi. Ça c'est l'enceileuse. Y a vraiment rien en tracteur. Un dur d'angle. Je vais me prendre le petit case. Hop. Allez hop. 65 000. Il me reste plus que 9 000 euros, les amis. Hop. C'est pas. Voilà comment il est. Il fera un petit peu tout celui-là. Ah, y a pas de relevage de devant. Donc on va être obligé de couper l'herbe à l'ancienne, les amis. J'espère juste que la porte va s'ouvrir là. Hop. C'est parti. On est parti sur la belle série. Qu'est-ce qu'on va aller faire aujourd'hui? Voilà, on va aller prendre une remorque si j'en ai une. Voilà, j'en ai une, elle est là. Hop. Oh, le compteur il marche pas, dommage, intérieur. Le braille un petit peu, ouais. L'entrée du champ. Salut. La moisse batte, elle est là. C'est super. On va aller juste chercher. Ah, je peux pas rentrer, hein, c'est pas possible. Elle est où l'entrée de la ferme là? Faut que je fasse le tour en fait. C'est super génial. Hop. Je vous mettrai le lien de la map dans la description. Pas de problème comme d'habitude. Les liens des mods, je pourrais pas parce que je sais jamais. Enfin, je retiens jamais où je les prends. On va commencer à faire un champ quand même. Hop. Je sais vraiment pas trop quel. Toi, pardon. Eh bien, dis donc. Je sais pas trop quel champ faire. Hop. Voilà. Dommage que le compteur il marche pas. Les images, c'est une image carrément sur les clignotants. On va aller là, hein, va directement. Hop.
Hop, allez, c'est parti. On va essayer de se faire un max de thunes. Là donc, je me suis mis en mode difficile. Je crois, il me semble que j'ai encore jamais vu une seule vidéo J'ai encore jamais vu une vidéo d'un youtubeur qui fait ça en mode difficile. Donc on verra bien, c'est un défi que je me lance. Et moi j'adore les défis donc. Allez hop, c'est parti. On va se récolter ça. Et franchement, la paille qui tombe, elle est magnifique. J'ai ma buse qui se met automatiquement dès que je mets en mode. C'est chiant. Ça va se prendre l'arbre. Voilà. Non, c'est bon. J'ai cru que j'allais prendre l'arbre, mais ça va. Ta la 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 la. Donc à côté, il y a de la pousse. Hein. Hop. Donc, ouais, en mode difficile. Hein. Hardcore Farmer. Je trouve ça. C'est Tic Tac qui m'a trouvé le titre. J'étais en train de parler. Je fais qu'est-ce que je pourrais faire comme nom de la série? Hardcore Farmer en mode difficile. Donc la map, hein, vous voyez, elle est assez grande hein, quand même. C'est soit une map allemande, soit une map anglaise. Pour moi, c'est une map allemande. Vu comment c'est écrit. Il n'y a aucun rendement là, pas possible. Tout, 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 tout. Hop. Cette case vide, voilà. La buse, elle m'énerve là. Hop là. Le champ va être très long à faire avec cette machine. Mais bon, c'est vraiment mon défi. Hardcore Farmer. Donc normalement, à l'heure où je parle, il y a une vidéo qui est en train de s'uploader sur ma chaîne et c'est la ferme. La ferme. C'est le fermier bûcheron. Très bonne série qui va durer très très longtemps. Moi, c'est simple, je fais une série par rapport aux maps. Si j'ai un coup de cœur sur la map, allez hop, je lance une série dessus. Et ça là, j'ai vraiment eu un coup de cœur hein, cet après-midi dessus. J'ai fait je joue dessus, je joue pas dessus, je joue dessus, je joue pas dessus. Et au final, j'ai fait allez, vas-y, je me lance. Je me lance dessus et j'adore la map. Elle est assez complète, vous avez les cochons, les veaux, enfin les cochons et en plus ils sont en liberté, c'est ça qui est cool. Vous verrez plus tard. Seul problème c'est qu'on voit pas l'eau en fait. Il manque l'eau sur la map. Il manque juste ça, mais sinon tout le reste ça va. Tout le reste ça va. 35% ça va. Ça va encore. Par contre. Oh là 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 là. Galère avec cette machine. Donc j'ai fait un emprunt, ouais, je peux plus rien faire. Donc on va essayer de se faire un max de thunes. Je pense pas que je vais finir le champ dans la vidéo. Et j'irai plutôt vendre des semences pour essayer de grappiller un petit peu d'argent pour m'acheter du matos. Parce que là, pas du matos de compétition et ça m'énerve un peu de jouer avec les modes d'origine, je vous l'accorde. Après, ce qu'on pourrait faire, hop, je me repose, garage, il y a des choses comme ça, on peut le vendre. Le semoir, je peux le vendre. Ça, je garde. Bon, alors, je peux garder. Après, en mode, je voulais voir un truc niveau d'ébène. 30, 15 000 le titre je libère. Oh. Ça sera déjà un peu mieux le titre je libère. Donc on va l'acheter. Vous voyez déjà on achète déjà du matos. On va la vendre. On va la récupérer à côté, c'est pas grave. Tac. J'entends mon tracteur qui est allumé. Ce n'est pas grave. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tourne à droite, ouais. Chargement à l'arrêt, distance de sécurité, ban.
Hop, et c'est parti. Bon, tu pars ou quoi? Ah, c'est bon. Il part, et nous, en attendant, on va les récupérer la remorque et on va les vendre des semences. Comme ça, on va pas perdre de temps. Hop. Il n'y a même pas de fumée qui sort du tracteur, c'est dommage. Bon, il est pas terrible le mode. Hop. Voilà une bonne petite remorque. Oh non, faut que je fasse demi-tour. Je connais pas encore la map par cœur donc. Touloulou. Hop. C'est parti. J'ai la voix, je suis en train de perdre ma voix. C'est une horreur. Hop, parfait ça. Par contre, pour la récupérer la remorque, ça va être chiant. Oh, ça va le faire en finale. Voilà, donc comme ça, on va reculer directement avec. Hop, on va ressortir en marche arrière. On s'est passé vraiment très, très, très proche. Hop, c'est parti. Donc c'est la Gélibère de la Fermoding, hein. Mes camarades de la Fermoding. Je repasse le coucou. Par contre, on récupère où les semences? Ça, c'est le truc que j'avais pas pensé. Où est le stockage de semences sur la map? Je regarde un peu partout, c'est là. C'est là, d'accord. Donc j'avais pas tort. Ce qu'on va faire, c'est. Le silo vide. Oh la vache, tout est vide. D'accord. Bon bah, on va pas vendre de semences, hein. Tout est vide. C'est super. Donc en gros, c'est de A à Z, vous faites vraiment vous-même. Ça, le mode difficile, hein. Hop. Ça va être une horreur pour faire demi-tour là-dedans. Voilà. Parfait ça. Ça passe. C'est bon, ça passe nickel. J'ai calculé pile poil au centimètre près. Donc en mode difficile, vous n'avez pas de semences, vous avez rien du tout. Ce que c'est que je fais, voilà, vous êtes tout à zéro. Pas mal, hein? Je sens que cette série va me filer du fil à retordre. Du fil à retordre, ou à retordre, je sais plus. Hop. Allez, petit. Voilà, il est plein. Parfait, ça. On va vendre ça directement. Hein. On va vendre ça directement. Alors, l'orge. Où que ça se vend le mieux? L'orge. Oh, les prix, vous avez vu les prix? Oh! 338 euros. Waouh. Oh, tous les prix sont vachement faibles. Truc de ouf. Et que le compost, oh, vraiment. On va galérer, les amis. Moi, je vous le dis, on va galérer. Mais on va réussir. Moi, quand je me lance un défi, hein, je réussis jusqu'au bout à chaque fois. Pas de problème. J'entends les clignotants. Le clignotant, il marche pas. Ah, d'accord. Bon, bah, pas de gyro, les amis. Donc, du coup, j'ai pas regardé qu'on va me vendre ça. L'orge, Warner ou.
Warner ou Warner. D'accord, bon, on va vendre ça à Warner alors. Je pense que Warner, c'est là, d'accord. Donc, faut que je fasse demi-tour. Demi-tour et je remonte par là. D'accord. Donc, Warner, c'est par là. C'est parti. Mon kiki, on accélère à fond. On va les vendre 12%, on va rien vendre quoi. Mais bon, on va faire plein de petits trajets comme ça. Ensuite, c'est à droite. On entend le clignotant. On les voit pas. Donc ce mode-là, il va vite fait dégager, je pense. Parce qu'il est vraiment pas beau. Ouais, il est vraiment pas beau. Je suis désolé de le dire, mais. Wow, 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 wow. Non, 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 non. Me dites pas, je me suis coincé comme un con. Voilà, non, je me suis pas coincé, donc c'est bon, ça va. Voilà, c'est reparti. Ah, mais par contre, maintenant, j'avais plus la carte, c'est ça qui est chiant. Il faudrait juste un mode. On a juste la carte qui apparaît où l'argent et l'heure, c'est tout. Après le reste. On s'en fout un peu. Toc 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 toc. Palam pam pam, palam pam pam. La série va être très très difficile. Je vous faudra m'encourager les amis. Hein. Harder Farmer. Ah bah c'est hard. Hein. Moi je peux vous le dire, c'est hard. Pour la photo, ça, hop là, voilà. Souris, souris. C'est pour ma petite image de. Petite image de petite miniature quand je poste une vidéo. Mais il y a beaucoup de colza et tout, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc je pense que ça le fera, les amis. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui est courageux. J'abandonne jamais. Ça fera longtemps que j'aurais abandonné ma chaîne YouTube et toutes les insultes que j'ai reçues, tous les ragots que j'ai entendus sur ma gueule et encore maintenant. Je peux vous dire que ça me passe par-dessus la tête. Hein. On va dire aussi que ma copine m'apaise beaucoup et je suis beaucoup plus calme qu'avant. Et ça me fait du bien. D'accord, il faut passer par là. Là, ça sent interdit. Je peux pas passer. Et en plus, je respecte la route. Oula, qu'est-ce qu'il y a la maison là? Un cambrioleur ou quoi? Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Meltzer. C'est limite à 30. Donc la route. Ah! On passe par là. Attendez. C'est mal indiqué leur truc. Je me suis fait arnaquer en fait là. Hop. C'est bon, on peut passer. Donc, faut prendre la deuxième, faut continuer, c'est bien ce qui me semblait. Hop, là, il faut aller là. On n'a pas le choix, il n'y a que là. Hop, c'est pour vous ouvrir, remercie. Mince, je fais des conneries moi, il est un peu tard, 20h, là il y a des conneries. Ça sera indiqué hein, si c'est pas accepté ici. Voilà. Leap Weiser. Bon, c'est là. Warner ou Weiser, je sais plus. Warner. Et les autres, ils c'est où? Je regarde un peu, mais. D'accord, il y a plusieurs. De vente l'essence là, et je pense que le truc de vente il est je sais pas où. Moi je découvre la map, je l'ai pas prise par cœur avant.
J'aime bien chercher en plus. D'accord. Donc pour moi, on est vraiment au bon endroit. Hein. Je vois pas où aller après ensuite. Hein. Waouh. Vous avez vu l'argent que ça m'a rapporté, les amis? Je suis riche avec ça. Je vais perdre plus d'essence que. Qu'autre chose. Normalement, je devais repartir par là, je pense. Ouais, c'est ça. On arrive. On repart. Mal indiqué, quand même. Enfin, mal indiqué, oui et non. Je pense que la map, ils l'ont continué, mais ils l'ont arrêté là. Ouais, c'est une bêta, il me semble, de toute façon. La petite forêt. Il y a pas mal de forêts aussi. Pam, 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 pam. Donc les amis, c'est ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas à mettre j'aime sur ma page Facebook, à me tweeter, me follow sur Twitter. Il y avait quoi d'autre? Ma chaîne secondaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le genre du GTA V ou Lego Star Wars qui va arriver. Lego Star Wars. Mais que Star Wars va sortir au mois de décembre et tout, donc je me suis dit on est en plein dans le thème, un petit peu, enfin un petit peu en avance. Ça fait longtemps que je voulais faire du Lego, j'avais déjà commencé du Lego Lego Aventure à l'époque sur ma chaîne. Mais là au départ de ma chaîne je faisais que ça. Je sors, je sais pas combien d'épisodes, pas beaucoup. Et voilà, ça je compte vraiment comme GTA V et Lego, je compte vraiment les terminer. Là j'ai un peu plus de temps pour moi, donc j'aurai plus de temps de des vidéos, à vous en faire des vidéos. Là j'ai pas mal de vidéos d'avance sur farming. Ça c'est super cool. Où oh, il en est où le biloute là? Où il est arrivé? Hop. On a qu'à 11, on a que 11 000, on a rien d'avance. Pas mal, hein. Franchement pas mal. La galère commence, comme on dit. Tiens, ça va être le titre de mon épisode. Là, la galère commence. De toute façon, je vais reprendre la machine pour la fin de l'épisode. Il m'a fait ça tout en rond. D'accord. Bon bah. Ça tout en rond aussi, alors on va le suivre. Hop, c'est parti. Tranquillos. Oh ça va, elle est pas si grand que chat le que ça le champ. Que chat. Pas si grand que chat. Hop. Le silence de mort quand on est là-dedans. C'est impressionnant. Un truc que je fais jamais, je pulvérise jamais mes champs. Mais bon, il était déjà poussé, donc ça sert à rien. T'as pas pulvérisé un champ qui a déjà poussé, hein. Hop. C'est parti. C'est vrai que ça avait vraiment pas de bruit, hein. C'est vachement silencieux là. J'ai oublié que la Sampo était aussi bien. Je pense que je vais la garder pendant un moment. Hop. Faire un truc propre quoi. Hop, le téléphone. Un truc propre. Propre netlist. Comme ça finir le champ. Je sais pas comment je vais m'en sortir en vrai. Je sais vraiment pas comment je vais le faire. Mais je vais me débrouiller, hein, les amis. Il y a plein de champs à faire.
fera de l'argent. J'ai bien calculé. Ouais, encore un tour. Non, ça le fera pas. Je vais être trop court avec le tracteur. C'est une map plutôt sympathique, hein. J'aime beaucoup. Encore, vous n'avez pas tout vu, hein. Vous découvrirez au fur et à mesure la map. Pour ceux qui la DL, hein, je la mettrai en description. En description pour ceux qui la veulent. Tac. Parti. C'est vraiment un gros tas là. Je me dis, j'ai une machine qui coupe l'herbe, mais j'ai rien pour en dénée ni rien. Ok. L'essence ça coûte cher. On recule. Franchement, la paille est vraiment trop jolie, je trouve. C'est des beaux andins. Ils sont assez hauts, je trouve, assez hauts tout. Regardez, ils sont jolis. Franchement, la paille est vraiment jolie. Vraiment bien faite. Hop. Magnifique, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore beaucoup. J'adore beaucoup. J'adore beaucoup. D'accord. Les Français, ça ben, j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup plutôt, mais j'adore beaucoup. Je ne sais pas si c'est français. Hop. Je pense qu'après, je vais faire que des longueurs. Hop là. Pardon. Je la vois qui est un peu prise là. Je sais pas ce que j'ai. J'achète du miel pour m'en récupérer ma voix un peu. Hop. Parfait ça. N'empêche, hein, ça risquerait d'être le plus beau champ de ma vie. Ça risquerait, j'ai dit. J'ai pas dit que ça va l'être. Un champ de crosse. Là, je suis tout en rond là. Hop. Elle prend une bonne capacité quand même, hein, la petite Sampo. Je connaissais vraiment pas du tout avant avant que elle sorte d'un farming. Je connaissais vraiment pas du tout cette marque là. Bah, sur le 13, il y en avait une qui était sortie, mais parce qu'on a eu des aperçus. On avait eu des aperçus du 15 juste avant. Je crois que sur le 13 elle est sortie juste avant que le 15 sorte, hein, 2-3 mois avant. Hop. C'était une 8 ou 5, je sais plus, une 4. Je crois que c'était une 4, une C4 ou C4 et C6, un truc comme ça. Ouais, non, c'est pas Citroën, les amis. C'est pas Citroën. Il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées. Je gagne à gogo d'abonnés en ce moment. Mais les vues. Je baisse en vues, mais énormément. C'est simple, de toute façon, moi j'ai aucun tabou. Avant par mois, j'étais à 90-100 euros. J'arrivais à maximum, ouais, j'arrivais à 70-100 euros. Ouais. Avec les bons mois, j'arrive à 100 euros. Et là, j'arrive à 50. 50, 60, pas plus. Depuis le mois de janvier, c'est comme ça. Et j'ai regardé au niveau des vues. Je vais avoir 9000 abonnés, 1500 vues, 1200 vues. Où vous êtes, les autres? Je veux dire, où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes refait 500 000 comptes? Non, je sais pas, mais il y en a qui ont dû se faire 50 comptes différents, 50 fois abonnés à ma chaîne. Et du coup, ça fait 50 vues en moins, 49 vues en moins, quoi. C'est un peu débile.
Bon, tous ceux qui ont plusieurs chaînes, ça, je vous invite à vous désabonner, franchement, à vous désabonner, ça sert à rien de que vous encombrez ma chaîne pour rien, quoi. Tout ce qui est pouce rouge, ça, je m'en balance total. C'est pour ça que je parle jamais de ça, parce que je m'en balance total. Enfin, si, je l'ai dit à plusieurs reprises que je m'en balance, mais les gens, ils continuent. Ils continuent à mettre les pouces. Mais ils ont pas compris que moi, ça me fait vraiment rien, que je m'en fous, mais... Moi, je m'en fous, la vidéo, elle est notée, donc j'en ai rien à foutre, hein, là-dessus. Vous pouvez mettre autant de pouces rouges que vous voulez, y a pas de problème, moi, là-dessus. Moi, là-dessus, je m'en carre le trou de balle, carrément, je vous le dis. Je m'en fous royal. Hop, tac. C'est le petit tracteur. On va t'éteindre tout à l'heure, parce que là... Hop. La petite Jellybear, vous voyez, elle est usée et tout, et je la trouve vachement bien. Par contre, les clignotants, ils marchent pas, c'est pas possible. L'intérieur, elle fait user comme en vrai, et tout, c'est génial. Hit. Ah, c'est des vieux trucs Michelin là, vieux pneus. C'est dommage parce que esthétiquement, il fait vieux, il fait beau, il fait tout, mais. Regardez, même là, ça c'est moche quoi. C'est dommage. Dommage de viser un aussi beau mode comme ça quoi. Tout, 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 tout. C'est parti, mon kiki. Je sais pas si je peux passer à travers ça. Mais c'est pas grave. Les beaux petits champs. Là, je peux y aller directement d'une traite. Pas de problème. No problemo. Yeah. On est déjà 32 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal. Enfin, à tout prix que je finisse le champ quand même. Hop. Tac. Oh non, le con, je l'ai éteinte. J'ai fait le con, le con, le con, le con. Je pourrais en acheter une deuxième. Ah non, je sais pas, elle coûte trop cher, je crois, la vieille. La vieille Inissé. Celle qui fait un bruit de casserole. Elle fait un bon bruit de casserole. Hop. Ah, je l'éteins à chaque fois maintenant, ça va pas. D'accord. Wow, 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 wow. Voilà. Faut que je me mette comme ça. Non, faut que je l'active. Je change comme ça et je la remonte. Voilà. De toute façon, je vais laisser le compteur maintenant. Hop. C'est comme ça de faire ça là. C'est nickel. Parfaito. On va reprendre des lignes droites là pour là aussi parce qu'après tout en rond comme ça va faire moche. Hop. Voilà. On va reprendre au bout là. Tac. Et ouais, moi je tape pas dans les trucs, donc j'essaye de faire ça le plus réaliste possible. Tac, on contourne. Et c'est reparti. Parfait ça. C'est parfait. Bon, on va finir le champ. Finir le champ, on va les vendre et ça ira bien. Elle est un petit peu vallonnée, hein. Ouais, vous regardez pas vous-même, elle est assez vallonnée comme map.
Moi j'adore tout ce qui est vallonné, j'aime pas les maps plates, ça m'énerve. C'est comme une femme, hein. Une femme sans poitrine du tout, c'est tout plat. Pas intéressant quoi. Je plaisante. Hein. Désolé pour les femmes qui ont des os plats, hein. Désolé. Mais bon. Moi, personnellement, je m'en fous des autres femmes maintenant. J'ai la mienne. Je suis bien content. Tac. J'oublie des morceaux, voilà, elle me déstabilise même là. J'oublie des morceaux, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Hop. Parfait ça. Ah, j'ai oublié un morceau encore, c'est pas grave. Allez, je dis qu'il y a encore au moins 5 passes à faire. Quatre ou 5. Hop. Voilà, alors une passe. Je sais pas, ouais, alors. Je dis, ouais, je dis 5 passes, allez. Soyons fous. L'œil comme ça, voire 6. Entre 5 et 6. On a la première là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Olé! Olé! Alors la première est terminée. Allez, monte, 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 monte. Voilà. Hop. Deuxième passe. Ah, ça l'a pas pris. Hein. Pirouette cacahuète. Ça ne l'a pas pris, les amis. Eh oui, les amis. C'est vraiment difficile de commenter en solo. À chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais raconter? Faudrait que je trouve des sujets. Parce que si vous faites plein de vidéos d'affilée, faut, à la fin, vous savez plus quoi dire. Donc, faut trouver des sujets. Qu'est-ce que les balles, cette petite sampo, elle est écrite en 1848. Je vais pas sortir ça comme ça. Non, non, je vais essayer de trouver des petits trucs en rapport avec l'agriculture. Des petits sujets là-dessus. Hop, je sais pas si ça vous intéresse. Je rechercherai, je ferai des recherches. Hop. Wow. Alors, troisième passe. J'ai pas loin des 5, moi, je le sens. 5 à 6, j'ai dit. 5 à 6, quelle idée? 6, quelle idée? Cerise, non, ça va pas. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Hop. Ouais, vu comment c'est grand là, ouais, il y a au moins 6 passes, voire 7. Hop là. Moi, je suis pressé que le projet carte sorte là. Ça serait une série aussi. Maintenant, je peux regarder. Avant, je regardais que les jeux de simulation, je regardais pas les autres. Maintenant, je vais regarder les autres jeux aussi. Je vais pouvoir faire. Après, tout dépend du budget. Moi, j'ai pas un budget phénoménal. Je prends des jeux soit par les dons que je reçois, je prends, j'achète avec ça, ou soit 4 hein, 4 passes, ou soit quand j'ai un petit peu d'argent, ou je peux me faire plaisir, je le fais.
bon, j'ai un budget assez serré. Hein. Sur YouTube, je gagne pas des fortunes comme je voulais dire. Là, j'ai gagné 62 euros. Exactement. Au mois de mars. Mars, avril, ouais, mars. Je sais déjà combien j'ai gagné mois de 62 euros là. Et là, je sais déjà combien j'ai gagné mois de avril. 52 euros. Vous voyez, ça plus ça va, plus ça diminue. Je vais finir avec 5 euros. Je vais finir avec 5 euros à cette allure-là. C'est pas, je m'en fous, moi, c'est une passion. Je suis bien comme ça. Hop, après, quand vous avez déjà pas beaucoup d'argent dans la vie, bah, ça fait vachement plaisir de recevoir. Vous dites, voilà, vous travaillez pas pour rien non plus. Mon argent, je la mets sur mon compte. Hein, les trois quarts du temps, je la mets sur mon compte pour payer les factures. Ah. 60 euros par là, ça me permet de payer internet et la facture d'électricité, par exemple. Hop là, mince. Hop. Moi, YouTube, hein, c'est pas des trucs où je me fais plaisir, machin. Ah, j'ai acheté des fringues, j'ai acheté machin. Ah non, c'est des trucs qui me servent à payer mes factures, moi, YouTube, ça m'aide beaucoup. Je l'accorde. Je n'en ai pas honte de le dire. Hein. Moi, ça me sert à payer internet et ma facture d'électricité quand y a j'ai la somme quoi. Hop. C'est pas que du bénéf chez moi, c'est pas du bénéf hein, l'argent que je reçois. C'est simple, je travaille pour bah comme si je travaillais quelqu'un, travailler dans la vie pour payer sa facture. Bah YouTube moi ça me fait ça. Y a aucun voilà, enfin j'ai aucun plaisir avec l'argent que je gagne par exemple. Enfin je m'offre pas des trucs machin. Par exemple, mon PC, j'ai mis 6 mois à le construire, plus avec des dons que j'ai reçus quand je faisais pas mal de live sur Twitch. Donc voilà. J'ai toujours été honnête avec vous hein, depuis le début. Hein. Même quand j'avais des conflits avec certains des autres youtubeurs, j'ai toujours raconté la vérité. Hop. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, si on me fait pas chier, je fais chier personne. Je reste dans mon camp. Là, vous voyez voir vous-même. Hein. Là, il n'y a personne qui me fait chier. C'est très bien comme ça. Je revis, je suis bien, je suis en forme. Je dors mieux la nuit. Parce que je vous l'avoue, hein, ça m'empêchait de dormir carrément. Je me suis dit, mais pour qui ils vont me prendre les abonnés? Ils vont me prendre pour un gros connard, un truc comme ça. Alors que, voilà, 5 passes. Hein. Alors que je suis pas du tout comme ça. Vous mettez une image sur ma gueule alors que. Alors que je suis pas du tout comme ça, je suis juste quelqu'un qui est cash et franc et capable de dire les choses en face tout simplement. Moi j'ai pas honte de m'attaquer à des gros youtubeurs et leur foutre plein la gueule parce qu'ils ont bavé sur ma gueule. Par exemple des membres de sa team, des trucs comme ça, de leur team, qui bavent sur ma gueule, moi j'ai pas honte de le dire, ouais ils ont bavé sur ma gueule. Ça je le sais très bien. Je sais pas si c'est de la jalousie ou je sais pas quoi, moi je suis pas jaloux. Qu'il ait 3 abonnés ou 50 000 ou 100 000 ou 1 million, moi je m'en fous. Hein, tout, voilà, c'est qu'il les mérite ses abonnés, et puis voilà. Après, qu'il écrase pas les autres à dire ouais, moi je fais les meilleures vidéos, les autres c'est de la merde, quoi. C'est tout simplement ça, je dis. Un youtubeur doit rester droit, doit rester dans son truc. Et moi je dis, si on t'attaque, tu réponds, tu répliques, tu te défends. Tout simplement, faut toujours se défendre dans la vie. Parce que maintenant, la vie c'est devenu marche ou crève. Hein. Merde. C'est un peu ça, hein, c'est chacun pour soi, et voilà. Si tu rends un service, au final, bah tu. Je sais pas, moi, tu rends un service, si t'es quelqu'un de bien élevé, t'es un petit peu. Voilà, enfin, t'es un petit peu un cœur. Si un pote à toi te rend service, un jour ou l'autre, tu lui rends service aussi. Il y en a, c'est voilà, ouais, merci, tu m'as rendu service, allez, ciao, au revoir, basta. C'est de passe, les amis. Voilà, ciao, basta, au revoir, merci, voilà, tu m'as aidé, basta, au revoir. Voilà, c'est un peu ça maintenant. Moi je suis pas dans cette optique-là, moi je suis là pour aider les gens, j'aime bien aider les gens. C'est mon métier, hein. Enfin c'est mon métier, moi je suis animateur, moi c'est. Voilà, j'aide les jeunes. Hein. Tu veux-tu t'arrêter? Voilà. J'ai toujours été comme ça, moi je m'occupe des jeunes comme vous, comme les trois quarts là qui m'insultent, là c'est des petits jeunes, je peux dire que je les aurais en face de moi, ils diraient pas ça du tout. Ouais, Desperate Ben, t'es un gros connard, parce que tu m'as pas donné ce lien. Ouais, bah, va te faire foutre, j'ai envie de te dire, va te faire foutre. Google. 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 Le meilleur ami de l'homme sur Internet. Google est ton ami, comme on dit. J'ai envie de vous dire ça, moi. J'ai tellement aidé, tellement fait de trucs.
Et j'ai jamais eu rien au retour ou insulté. Je plus vie. Moi, c'est simple. Hein. Moi, là, je sais très bien que les carrières abonnées, j'en ai jamais. J'avais commencé à en faire. J'avais commencé à en faire sur la ferme à l'ancienne. Et franchement, ça s'était super bien passé. Mais moi, je fais ça au mérite. Hein. Si les gens ne méritent pas de jouer avec moi, bah, ils joueront pas avec moi. Point barre. Et c'est pour ça que je fais pas de série abonnée, tout simplement. Peut-être que j'en ferai une, je sais pas. Mais je reste toujours près de vous, hein. Je reste toujours proche de vous sur plein de trucs, hein, sur Facebook et tout. Il y a pas longtemps, je crois qu'on m'a demandé ouais, ce que tu penses de ce PC-là, machin. J'ai dit bah, c'est de la merde, tu peux rien faire tourner avec ça, ni farming, ni streamer, ni rien. J'ai bien dit, hein, clairement, comme ça, c'est de la merde. Voilà, j'ai dit, je peux rien faire avec ça, un truc comme ça. Bon, on va aller vendre ça et on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, les amis, pour cet épisode 1, hop. Il n'y a qu'une route comme là. Enfin, ouais, il n'y a pas de raccourci, d'accord. Obligé de faire tout le tour. Obligé de faire tout le tour. C'est un stop. Il faut marquer. Il faut marquer un arrêt. Hop, je révise mon code aussi en même temps. Il est vraiment pas beau, il est vraiment pas beau ce tracteur. Plus ça avance rien, 38 km/h. Oh, comme en vrai quoi, enfin. Je suis une casserole, car je vole. C'est vrai que je suis une casserole là. Oh, punaise. Oh punaise. J'aurais peut-être dû acheter ce tracteur-là, les amis. Non. Le Fiat. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus. Il aurait été beaucoup. Enfin, il aurait avancé. Oh, j'avais celui-là, je suis con. Ouais, mais bon, sur l'autre série, je l'ai. J'ai celui-là. Voilà, j'en ai plein, quoi. J'en ai plein. Plein, pas trop cher. Je vais regarder un petit peu combien je peux revendre celui-ci. Parce que là, on se traîne les fesses avec, hein. Pam pam pam. Mais on peut mettre un chargeur dessus, c'est pas mal. Pam 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 pam. Je fais la radio. Pam 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 pam. J'ai pied au plancher. Pam 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 pam. Ça va même pas sur les pédales. Dommage. Dommage que les pédales sont pas animées. Tan 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 tan. Oh, faut ralentir. Ouais, 12 300. Ouais, 12 tonnes. J'y crois pas trop. Hop. Oh, c'est quand même de l'argent, hein. D'accord, il fait 8 tonnes le tracteur. Bon, bah voilà, les amis, c'était l'épisode numéro 1 de Hardcore Farmer. J'espère que vous allez aimer. Bon, je vous dis aimez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Hi-ha!